On va chercher Élise. Voilà. Ok, on a récupéré Élise. L'air de... Et là, on cherche l'air de des terres de Graves. C'est notre prochaine destination. Okay. Fléché de l'autre. On arrive sur l'accident. Non, on sait pas trop ce qui se passe. Non, ça par contre, je sais pas. Tu penses qu'ils doivent prendre la coupe? Oui, ben, je pense qu'il s'est renversé. Ah putain, c'est un camion. Regarde la benne. Ah ouais, oula, ouh. Oh, ça a cramé. Oh, purée. Oh merde. Premier arrêt et dernier arrêt. À l'air des terres de Graves. Ok, deuxième prise. Il voulait faire les courses, il est pas content. Il y a que eux qui ont fait les courses. Toi aussi t'es pas content? Ok mec. En train de décharger les courses. Ça promet. Ça va piquer. Regarde la compte. Ça va piquer. Bilan des courses, on est à 158,44 euros. Allez, trois jours. Ça fait mal. Mais vous êtes des putains de gloutons, les gars. Mais c'est bon, regardez les œufs. Ah oui, on a pris des œufs. Regarde, ça fait comme ça, on a pris 32. Je sais pas si on les voit là. C'est mal calculé. 32 ou 32? Allez, le saut à glace. Non, mais c'est pas ça, je veux. Ah là. On vient de casser le. Je fais référence à Madame Dromard l'année dernière avec le film. C'est le Totally Spice sur le. Ah ouais, c'est le Totally Spice. Pas mal le Ushuaïa là. Ouais, ouais, moi je préfère la rousse. Hein. Jour 1 des vacances, la team. On est là, hein. On va à la plage. Yo la team. Là, il faut qu'il rentre. Et on va à la playa. On a acheté le ballon de volée. Yeah. Un petit match sur la plage. Ah bah. Connasse. C'est le biscard touriste. Comme par hasard. Hein. Triste. Comme par hasard, ça c'est le Tarsène. Alors, premier jour à l'océan. Qu'est-ce que ça fait d'être là? C'est cool. Là on est à la plage depuis 11h environ. On s'est un peu baigné mais c'est marée basse. Nathan il a tombé ses petits embouts dans le sable. Dans le sandwich, c'est terminé. Du coup c'est terminé voilà, avec son petit bob pastis. Du coup je disais qu'on est là depuis 11h. Et donc on s'est un petit peu baigné mais c'est marée basse. Donc c'était pas... Genre c'est un peu chaud, il a fait noyer l'autre con là, Arsène. Et après on va se rebaigner. Je pense qu'on va rester jusqu'à 16h environ. Et après on va regarder le match. Donc là on a Satine qui regarde son téléphone, Liane qui lit, Clémence qui lit, Tristan et Arsène qui jouent à la petite raquette, Nathan qui mange son sandwich au sable, et Augustin et Elise qui bronzent. Donc on est rentré de la plage et maintenant c'est des gros geeks, ils et jouent aux jeux vidéo. C'est pas comme si on faisait les du hall. On fait le barbecue, repas du soir. Nathan il a mis un petit peu de soleil. Attends, tu peux relever Nathan? Il y a eu un tout petit coup de soleil, mais ça va en vrai. Soit on va à Biscarrosse Plage et on trouve un bar avec plus d'ambiance, on regarde le match là-bas. J'avais attends, il n'y a pas un écran géant, on a dit? Sûrement. En fait, c'est là-bas qu'il y a l'ambiance. Okay. Soit on voit si des magasins sont encore ouverts, on achète 2-3 boissons et on le regarde chez nous. Ça me tente bien la plage, mais si jamais il n'y a rien, on fait quoi? Bah, on rentre. On a moi je veux bien Biscarrosse Plage. Votez. Biscarrosse Plage. Ouais. Biscarrosse Plage. Ouais, c'est bon. Grosse ambiance. Ouais. J'ai personne sur la plage. Mais eux ils ont une enceinte. En vrai on va check la musique. Et c'est la musique, elle est vraiment claquax. On se barre en courant, ok. On les insulte,
On dit ah, un babeau comme suc, un babeau comme suc. Toi et ton peuple, vous retournez là-bas. Jusqu'à l'été. Putain. Bien. Pas mal. Voilà, voilà. Ils ont voulu monter la grande roue, ils se sont fait engueuler alors qu'ils ont 18 ans, la honte. Bah la honte, ils se sont fait engueuler alors qu'ils ont 18 ans. Jour 3 de Biscarros. Aujourd'hui, il pleut beaucoup. Du coup, on a fait petite grasse matinée. Moi, je me suis levée à 10h40 perso. Même si je me suis réveillée à 8h. Voilà, elle regarde tout le pont. Et Tristan, toujours rien. Il est là, il bouge pas. C'est sur mon lit là. Sur son propre lit. Oui. Tu veux expliquer ton échec? En fait, je peux t'opérer la balle. Let's go! Come on! Go! Here we go! Petit déjeuner. On est quel jour? Lundi? Dimanche. Dimanche 7 juillet. Jusqu'à t'as perdu le sens de l'orientation. Ça va pas super vite la team. J'ai mangé un petit œuf comme ça. Comme ça. Ils aussi. Il est 13h. On est au paradis du papillon. Paradis du papillon. On va voir des papillons exotiques. En liberté. Liberté 3,5. Mais on verra. Super drôle. Maintenant il est coincé dans la serre. Je crois qu'il va me butiner. Il y a un papillon qui veut pas sortir. Le mec veut rester. Hein. Il veut butiner tes fleurs, elles sont belles. C'est pas grave. On y va. Là vraiment les serres elles sont trop belles. On a pris que des photos. Là on est dans la serre avec les oiseaux, les papillons un peu européens. Regarde Elise. Il est toujours là. Vraiment, les papillons ils sont trop beaux. Ici il y en a moins. Il y en a plus dans notre serre. Ouais, des exotiques. C'est l'ami des animaux. Ouais, je vote écolo. Oh, j'en veux plus. Ouais, vous bousculez pas tous pour la photo. Le mec, il tourne dans toutes les mains. Je sais pas ce qu'il a partagé. C'est un boulet. Pire que Clémence, quoi. J'ai un papillon, j'ai cru que c'était pas mal tellement il était beau. Je sais pas, là, dans des coins là, ça va. Là, on est dans la serre exotique. Il fait super chaud, mais les papillons sont trop beaux. Genre vraiment il y en a plein. Les fleurs aussi sont belles. C'est trop mimi. Genre il y en a plein. Il y a plein de petits papillons comme ça, c'est trop mimi. Ils sont tous trop beaux. Je veux tous les adopter. Comme par hasard. Lui par exemple je trouve on dirait trop un hibou. Il est énorme. Regarde. C'est fait exprès. Taille de ma main.
bien, mais pas bourré quoi. Ouais, les séropositives, bien sûr. Séropositives, let's go. Ouais, à quoi? Ah là, parce que mon avait trop peur des bouts. Et du coup, le soir, quand on s'est rassemblé, ça avait l'air. Encore. La presse. La... Oh non, elle me filme en train de faire ça. Bah après, tu fais une petite vente, tu peux faire Stitch. Alors, c'est une femme. J'ai cru que t'avais dit elle est pas belle. Arsène, explique-moi, je ne comprends pas. Mais c'est pas ma faute. Tu crois que je suis maître de mon corps, de mes émotions? Mais non, mais je vis, je ne suis pas qu'un cerveau, mais je suis... je ne comprends pas, tu m'as accusé de quelque chose et tu ne veux pas me dire de quoi. Je ne comprends pas, qu'est-ce que je dois faire? Tu qu'est-ce m'as coupé que la parole. Tu m'as coupé la parole. Mais tu Clémence. C'est donc pour les débats présidentiels. Tu entends des paroles limitées. Je ne sais pas être gentil. Saquen las putas y las moedas, los carros, las BMs y las SMG. Saquen las putas y las moedas, saquen las putas, las putas, las putas.